te lancer comme ça. Ah, et... Quand tu es frais, tu es frais. Salut, salut, comment vous allez? Hey gars, c'est comment? La team Choco, vous là, ce que vous faites, c'est pas bien. Hein? Vous faites, c'est pas bien. Hein? Trop de déceptions. Hein? C'est pas pareil, parle pas, genre que truc, façon. Hein? Dans moi, il doit vous remuer, quoi. Vous êtes grandes personnes, il doit vous remuer. Bon, juste vous dire que je suis à Paris. Je vais tout à l'heure sur Paris. Je quitte, je viens de ma résidence privée. Là-bas, là-bas, la maison qui est là-bas. Là. Voilà, c'est ma résidence, la maison qui est là-bas. C'est ma résidence privée. Donc, parisienne, parisienne, le général est là. Bon, j'ai un petit message à lancer, d'abord à la team Choco. Vous ne répondez pas présent. Vous faites que le tueur des femmes en série, Camille Makoso, à la grossie les gens. Hein? C'est pas parce que je parle pas que je suis là. Vous savez, ils essaient de faire les bonnes choses dans l'ombre. Voilà. Ils essaient de faire les bonnes choses dans l'ombre. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est Didier Drogba. Daïs Zoko. Dagou, Yéba Yéro. Quand tu parles, tu dis non, toi tu fais pas politique. Tu as vu? Hein? Moi, je te soutenais, hein? Et je te soutiens toujours. Ça va pas être bêté. Mais parce que tu vas envoyer la jeunesse ivoirienne dans un autre univers. Au revoir, mon fils. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Sans Didier Drogba, il n'y a pas de problème. Hein? Tu as vu comment les gens, tu as vu toi-même dans ton propre truc, tu as vu comment les gens se comportent vis-à-vis de toi. Ils sont méchants. Quand on dit Ivoirien méchant, là, les Sidi Diallo, les souris, des Guinéens, il n'y a jamais de Diallo chez nous là-bas. Des Guinéens, des je ne sais quoi là, c'est eux qui vont diriger la FIF. Drogba n'est pas venu dans l'intention de... Drogba est venu et Drogba vient dans l'intention d'aider le football ivoirien. Ayant une place à la FIFA, Didier Drogba a vu le classement de la FIFA baisser. Didier Drogba veut rehausser le football ivoirien. Ce n'est pas parce que Didier Drogba est là, mais pourquoi vous êtes méchant? Cyril Domoro, j'ai joué pour ton père. Moi, j'ai joué pour ton papa. À l'époque, on était amants. J'ai joué pour ton papa. De là encore, j'ai joué pour ton papa au Rousseau de Danané. Vous voyez comme vous êtes méchant. Vous êtes dans la même association et puis vous détestez comme ça. C'est pas gentil. Hein? C'est pas sérieux ce que vous faites. C'est pas sérieux. Je ne sais pas si c'est la jalousie ou bien c'est quoi. Ou, je ne comprends pas. Non, vraiment, vous êtes des sorciers. Non, vous êtes des sorciers. Vrai, vous êtes des sorciers. Pays, là, c'est comment c'est? En s'en donnant le truc à quoi plein à sorry, Diabato, ben, quelqu'un de vos conneries, vos trucs qui sont là, etc. etc. Là. Je vais m'asseoir bien, hein, comme je vais à Paname. Je vais bien m'asseoir et puis je vais vous traiter. Je vais vous traiter franchement. Parce que il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Voilà, Didier Drogba, lui, il a réussi sa vie. Il veut aider les gens. Voilà. C'est nous les pauvres, ils veulent aider. Nos petits frères qui cherchent à jouer au foot, c'est ils veulent aider. Si vous qui êtes trop arrivés, sur le Diabato, Siriki, Diabato, tout là, vous étiez là, vous avez fait quoi? C'est pareil, dans ça là, il n'y a pas de rébellion dedans. S'il y a une rébellion dedans, vous allez comprendre qu'on allait prendre les armes pour vous enlever. Hein? Allez griller, allez faire les omelettes. Hein? Allez faire les omelettes dans vos pays là-bas. Laissez nos pays là-bas, laissez nos pays tranquilles. On met ça dedans, pion. Ils sont ivoiriens.
La souris des imbéciles comme ça. Je viens. Je vais vous traiter. C'est les gens que vous envoyez comme ça. Les Guinéens qui ont venu servir la Côte d'Ivoire pour faire du football. Vous avez fini, prendre pouvoir, c'est fini. Allons. Oh, qu'est-ce qui se passe dans votre tour de Paris ici, c'est des... Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Attends. J'espère que. Bon, c'est pas grave. Je viens. Ah non. Bon, je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous savez m'aider? Je ne sais pas comment ça marche. Je voulais payer un ticket. Vous voulez quoi? Un ticket? Oui, pour Paris. Pour Paris. 4,45 €. Je pense que j'ai là. Voilà, il est là. Voilà. Alors, il faut mettre les pièces dans la boîte. Attendez, en espèces. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon? Allez-y. Justificatif pour la première. Voilà. C'est bon? Merci. Passé? Oui, mais c'est de l'autre côté. Venez par là. Ouais, comme je disais, j'ai accepté que. Ceux même qui ne peuvent même pas rester. Maintenant, ils vont songer à rehausser le football ivoirien. N'importe quoi. J'ai dit, c'est maintenant ils vont réussir le football africain. Didier Drogba, quand on te parle, toi aussi, il faut nous écouter. Voilà, tu penses que c'est parce que Jean Cutroni, tu es avare. Mais mon frère, c'est ton agent. J'ai mon Max. L'agent dit, tu es avare, dit, tu n'assistes pas aux réunions. Tu es vice-président. Si les gens ne connaissent pas l'utilité d'un vice-président dans un truc là, ils n'ont qu'à te dire. Il faudrait dire que vice-président, là, si le président est là, là, le président a un secrétaire général. Vous êtes censés, ils sont censés te rendre compte. Ça ne va pas être, tu ne viens pas aux réunions, les séries de Moro sorciers, là, parce que tu as 20 millions. Mais vous, là, j'ai dit que je ne suis pas pressé derrière vous. Vous êtes méchant. Didier Drogba, l'icône de la Côte d'Ivoire du football. Il veut rehausser le football. Regardez nos petits frères, là. Regardez. On se plaint que la Tunisie est un bon championnat. On se plaint que quoi, l'Algérie est un bon championnat. Mais quelqu'un même qui connaît aujourd'hui, tout, les souris, ils vont faire quand même. Souris et puis son frère, comment il s'appelle, Sidi Diallo, là, c'est de quoi? C'est des plaisantins? Non, sincèrement, ici, Degma, hein. Si c'est comme ça, vous les Ivoiriens, vous comportez là, vraiment, hein, ça c'est du n'importe quoi, ça. Hey, Didier Drogba dit, va être président de la FIF pour aider nos petits frères qui souffrent. En ce moment, les petits frères, ça ne va pas. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, si ce n'est pas la sorcellerie. Non, vous êtes ici fiers. Ils sont même. Non. Didier Drogba, ce qui est sûr, c'est pas grave. Il faut t'armer de courage. Il faut être fort dans la tête. Je vais m'asseoir tranquillement. Quand je bois peut-être une petite bouteille là. Voilà. Tous les éléments sont déjà là. Mais c'est méchant quand même. J'aimerais dire ici à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne. C'est vrai, au lieu d'aller à la FIFA du n'importe du tapage là, ce n'est pas le. Ce n'est, hein, ce n'a pas sa raison d'être. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes libre, n'allez pas là-bas. Voilà, n'allez pas là-bas. Ce sont des sorciers, hein?
notre propre pays. Non, dans notre propre pays, c'est les Guinéens qui ont venu nous commander. Et Guinéen, c'est la présidente de la FIFA encore. Ils vont être méchants. Mais je vais vous prendre un à un. Voilà. Mais poulet est trop fort. C'est vrai, ça. Toi, t'as écouté, t'es encore entendu. Tu dis que t'as le contrat avec les Guinéens là. Hein? Tu viens de dire que t'as le contrat avec les Guinéens. Non, c'est pas ça. C'est pas contrat avec les Guinéens. C'est dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Un Guinéen veut tenir la FIFA. On ne veut pas accepter ça. C'est qui ça? Diallo. Diallo, oui, c'est un Guinéen. Tu vois les Guinéens, ça? C'est de quoi? C'est de quoi? C'est pas les Guinéens, c'est de quoi? C'est ça, mais mon frère, faut les laisser. C'est notre petit problème interne. On est tous. Bon, d'accord, comme je suis dans les trucs parisiens là. Bon. Je suis pour Drogba. C'est pour Drogba, non? Moi, quand même, je suis pas ivoirien, mais je suis pour Drogba. Voilà, merci bien. Parce que c'est les gens, ils peuvent venir des révolutions dans notre. Merci, mon frère. Moi, quand même, franchement, je suis pas ivoirien, mais je vais. Merci, mon frère. Je sais. Ouais, mais tu sais, en Afrique, c'est comme ça, ceux qui sont bien, on ne donne pas les chances. Mais ça, ils sont méchants. Parce qu'il vient avec son argent, il n'a pas besoin de l'argent là-bas. Même si Drogba, il a signé même là, il a signé un contrat à Nike. Il est prêt, comme chez nous dans un pays, hein, deuxième division, troisième division, on ne les paye pas. Ils n'ont même pas une carte bleue pour dire non, mais c'est malheureux. Comment vous voulez que le championnat évolue? Mais comment le championnat évolue? Si tu n'es pas dans un milieu, Drogba ayant occupant un poste de la FIFA, voit aujourd'hui la FIFA, il voit les difficultés là-bas. Le problème c'est quoi? C'est un grand homme, tous les grands sponsors, tous les grands hommes viendront lui aider. On espère que ce n'est pas les matchs. C'est débat, ça me fait mal même pour Drogba là. Voilà mon frère guinéen, lui-même l'a accepté, il dit que c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Moi je suis pas guinéen, moi. Ah. Ah, tu es sénégalais? Non, je suis malien. Malien? Ah. Voilà mon frère malien, lui-même dit qu'il veut Drogba. C'est comme ça? Ah, ça vient de truc. Drogba c'est un bosseur. Drogba va nous envoyer loin dans le football. Voilà. C'est tout ce qu'on veut, qu'on nourrit dedans là. Mais c'est pas bien grave. Faut prendre, hein. Sorry, vous les Guinéens là, prenez, c'est pas grave. Sorry, Diabaté, et vous tous, je vais vous allumer un à un dans un respect absolu. C'est-à-dire que je vais vous parler poliment, gentiment. Moi, je vais vous parler, mais ça va presser. Dites à Marco, je ne l'ai pas encore oublié. C'est-à-dire qu'il pense que je l'ai oublié. Il y a beaucoup de choses à faire. Je suis à Paris, mais pour certaines choses, il ne connaît pas. Laissez-le. Non, on travaille dans le silence. D'accord, bon, chers frères et sœurs, portez-vous bien. Je vais à Paris un peu là. Je vais faire une petite course là. Et puis, on va se régler. Et quand. Ma course, c'est un sorcier. C'est lui qui vient me basser, il m'a bassé. Il ne veut pas qu'il fasse direct. Il m'a bassé, il attrape ma voix. Chaque nuit, il dort, ma course attrape ma voix. Oh, c'est pas la peine. Non, pour dire de base, pas mal, il ment, hein. Donc, le rêve de la jeunesse ivoirienne, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Les footballeurs ivoiriens, les jeunes, vous qui jouez le championnat ivoirien, vous êtes perdu. Voilà. Didier Drogba, tu as vu toi-même? Tu dis non, élection c'est pas gagné. C'est le battant. Voilà ça. Frère, quand on te parle là, c'est pour demain. Iwa Hiro, tu as vu? Merci Makoso, je l'ai attrapé tout à l'heure. Bon, là, moi je suis à Paris. Hein. Vous qui êtes à Paris là, appelez-moi. Ici à Paris, voilà.
je vais prendre un colis hein, de ma daronne et puis je suis là. Non, je suis à Paris. Je suis à Paris au calme. Peut-être en venir boire quelque chose. Hein. Ne dis pas que. Ok, quand tu peux. À tout à l'heure, les gars. C'est bien sûr, on se go.